Cet événement va être le premier d'une série qu'on veut mettre en place en 2023, où l'art sera à l'honneur chez Altafort. On va essayer de promouvoir l'art en sponsorisant les événements, en mettant à disposition ce beau espace pour les artistes tunisiens. Pour cette première édition, on a voulu justement inviter cet artiste représentant les Césars, que je tiens à remercier vivement. Et donc les états sont l'architecture avec M. Youssef Alakou, la sculpture avec Omar Bey, la musique avec M. Jézéry, aussi la littérature avec l'écrivain Mohamed Haram, le cinéma avec Zanine Jouil, le théâtre avec Chikara. Et bien évidemment pour l'art visuel, Madame Fétonis, qui a écouté et que je remercie. Donc notre soirée dédiée, c'est là, mais notre exposition est à 4 ans. Pour cela, je vais vous demander de nous imaginer à présent dans une voiture à 4 temps, ou dans un 4x4, ouverte à 4 rangs, de temps d'une valse à 4 temps. N'y allons pas par 4 chemins, frayons les 4 mètres, avant d'aller aux 4 points de vue. Vous avez remarqué que j'ai mis beaucoup de ça, parce que c'est pas de moi. C'est de Mme Aude Minaret, notre commissaire, de notre commissaire d'exposition, que je remercie avec elle et à qui je vous souhaite la parole. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le fratel, c'est une artiste du gouvernement national. Je l'ai rencontrée en 2014 à la Biennale de Dakar. Alors que nous sommes le public de la ville de Dakar. Donc c'est une vieille amitié et également un travail qui se poursuit avec des phases différentes, avec toujours beaucoup d'énergie, avec des couleurs aussi qui sont entrechoquées, qui sont mises à la fois violentes et qui peuvent également être très douces. Donc dans cette exposition qui s'appelle « Vous avez quatre collègues. Une série de grandes œuvres qui s'appelle Oxymore, une autre série qui s'appelle Énergie. Ici, nous sommes dans la rue de correspondance du temps présent, avec une œuvre qui peut paraître plus engagée, était plus engagée qu'elle ne peut paraître. C'est un travail sur la transparence ou le manque de transparence dans la vie. Et puis, avec une petite économie, vous avez une quatrième phrase qui sont ces panneaux de signalisation qui sont appelés panneaux des boutons. Donc, ce sont des panneaux avec des prix, ils sont extrêmement intéressants, beaucoup d'économie, et ça prouve toute l'intelligence et la distance à l'artiste. Et afin que l'art puisse être aussi un moteur de changement et de transformation. Une dernière anecdote, c'est la relation de la fontaine avec les voitures. Non, ce n'est pas comme tous les enfants qui ont commencé très jeune, décidément, c'est ce qu'on entend toujours quand on parle de la bêtise. Non, la fontaine des voitures, ce n'est pas non plus un paquet d'amendes sur la maison ou un paquet de conduite ou la tissu. C'est la révolution du jasmin, des carcasses de voitures brûlées. Elle invitait donc les jeunes à transformer la société et à transformer ces carcasses et en œuvre d'art. Voilà une belle métaphore pour ce que nous avons changement dans la vie. Merci. Je vous remercie pour votre présence. Merci pour l'échange. J'aimerais transmettre à travers mon art cet échange et un dialogue à travers mon art. Merci en tout comme Sarah d'être venue et espérons que autour de l'art et automobile, ça continue. Je suis
très contente de faire partie de la première édition de Art Days by AlphaFort. Donc c'est une première. On va compter sur vous pour continuer et perpétuer que les artistes soient toujours là. Si cette fois-ci c'est fêté, l'année prochaine ce sera d'autres personnes et ainsi de suite. Et vraiment merci pour cette excellente idée. Je vous remercie, Simaruel, parce que la discussion était née comme ça, dans la joie, spontanément, on a voyagé ensemble et l'idée est née. C'est grâce au retard de Tunisie. Exactement. Merci Tunisie. Merci à vous tous. Et donc la première édition, la deuxième ne sera pas l'année prochaine, ça sera cette année plusieurs autres éditions. J'invite tous les artistes qui veulent faire quelque chose et qui ont des idées à nous contacter et voir avec nous. Notre porte elle est ouverte et on veut justement que cet espace soit le vôtre et qu'on veut qu'il soit animé grâce à vous. Merci à tous et très bonne soirée. Assalamu à tout le monde, ça a changé de toi. Donc ce soir, chez AlphaFort, on est en train de célébrer la Journée mondiale de l'art. Une célébration en fait honneur à tous les arts qui sont disponibles, donc les 7 arts. Et on a invité avec nous donc, des représentants de ces 7 arts. Donc, le programme international est là où l'exposition Charlot, mais il va y en avoir d'autres Charlot. Donc, le fait qu'elle est interne, je vois pour la disposition l'espace interne pour les artistes tunisiens. Il y a un jour de manière très commune, il y a un jour de manière très commune. Charak, on organise des événements et on sponsorise des événements. Il y a un jour autour de l'art. Donc, marahbeb les artistes tunisiens, marahbeb le CD. Les lecteurs de notre magazine. Et Inch'Allah, je vous remercie à Dima, à l'Alphafort, pour vous donner un petit peu de temps pour vous donner un petit peu de temps.